Bonjour à tous. Le marché parisien est orienté dans le vert dans les premiers échanges, après une neuvième séance de hausse consécutive pour le Dow Jones. Et on suivra EADS. La Lufthansa investit dans sa flotte et annonce ce matin une commande portant sur 100 monocouloirs Airbus. Gemalto a enregistré un chiffre d'affaires record en 2012 et il anticipe pour 2013 une croissance à deux chiffres de ses revenus. Et puis Aéroports de Paris annonce une baisse de 1,8% de son trafic en février sur un an, sous le coup d'un recul des vols internationaux particulièrement marqué vers l'Amérique du Nord. Et on s'arrête ce matin sur Altran. Le groupe, dont les revenus 2012 avaient atteint 1,4 milliard d'euros, fait état ce matin d'un résultat opérationnel courant de 124,6 millions d'euros, soit 8,6% du chiffre d'affaires. Le consensus était positionné à 124 millions d'euros. Côté bilan, la dette financière nette a reculé de 170 à 140 millions d'euros en un an. Et en matière de prévision, l'entreprise indique simplement que dans un contexte économique difficile, Altran devrait générer une croissance profitable en 2013. C'est la fin de ce flash. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi.